Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de la recharge dans une ville qui nous est chère, Strasbourg. On va vous présenter l'écosystème électrique que nous mettons en place dans la ville de Strasbourg et que nous référençons dans cette même ville. Pourquoi Strasbourg? Tout simplement parce que c'est une ville majeure en France et que nous allons, dans tous les cas, traiter le cas de l'ensemble des villes françaises. C'est un engagement que nous avons puisque le développement de l'électrique est éminemment local. Comment ça se constitue concrètement dans les faits l'expansion de la motorisation électrique dans ces villes-là? Tout d'abord par l'équipement. Ça a été longtemps un problème, l'équipement. Beaucoup de personnes ont pris le sujet du manque d'équipement comme un sujet du manque de demande. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien l'équipement qui porte la demande. Je m'explique. Dans la ville de Strasbourg, il y a des hôtels qui ont fait le choix, plus ou moins tôt, de s'équiper avec des bornes de recharge. Voilà un exemple, l'hôtel and Spa Château de Lille, qui à Strasbourg propose une borne de recharge destination de chargeur en 14 kW, qui permet de se recharger décemment lorsqu'on passe la nuit là-bas. Et bien entendu, lorsque les clients de cet hôtel ou des parkings de cet hôtel visitent les lieux, ils constatent bien qu'il y a une borne de recharge et c'est ça qui participe à la réflexion sur l'acquisition d'un véhicule électrique. De la même manière, l'hôtel Roi Soleil Prestige à Strasbourg est également un établissement référencé chez Tesla Magazine parce qu'il dispose aussi de deux bornes de recharge qui ne sont pas des bornes destination de chargeurs, qui sont des bornes aux normes Schuco, mais qu'il est important de présenter puisque la recharge n'est pas liée à un type de véhicule, ou en tout cas ne doit pas l'être en théorie dans ces établissements qui reçoivent du public. Au contraire, l'important c'est que chacun puisse se recharger à ses bornes de recharge et que chacun puisse profiter et découvrir la motorisation électrique. Donc, nous sommes dans une phase de transition où il y a parfois des véhicules hybrides qui se chargent, hybrides rechargeables, j'entends, qui se chargent à ces bornes et ça crée un petit peu de frustration. Mais il faut bien comprendre que tout cela va se réguler à mesure que l'équipement privé va se développer. En effet, les hôtels sont bien des lieux qui reçoivent du public. Donc, c'est des établissements qui sont très spéciaux et qui se doivent d'adopter une posture égale vis-à-vis de leur clientèle et surtout non discriminante parce que forcément, il y a tout type de clients et nous, on a vocation à référencer ces établissements, que ce soit pour les séminaires, les nuitées et la recharge, parce qu'encore une fois, ils participent à leur manière à l'expansion du réseau de recharge public en France. Maintenant, il y a un autre élément qui est important, ce sont les installateurs qui ont équipé ces hôtels, mais qui équipent également de plus en plus le privé aujourd'hui. En effet, des sociétés se sont spécialisées dans les villes de Strasbourg et dans les environs pour permettre aux citoyens de la ville de découvrir la charge électrique. Donc, parmi les sociétés que nous avons référencées, nous pouvons citer CRH, Électrification industrielle de l'Est, Indelec, ChargeUp, Impulsion THD, et il y en a d'autres, bien entendu, que nous devons oublier, puisque l'expansion des installateurs de bornes de recharge est réelle, est puissante et est justifiée, puisque si nous comptons l'équipement des collectivités et des maisons individuelles dans Strasbourg et sa région, la demande risque d'être assez élevée dans les prochains mois et prochaines années. Et même au rythme où nous voyons les choses, le nombre d'installateurs actuellement sur la ville de Strasbourg est trop faible. Donc, pour répondre à la demande, ça veut dire qu'il va y avoir une saturation à un moment qui n'est pas si loin, hein, peut-être un an. Et tout cela doit se gérer par la découverte et la naissance de nouveaux installateurs sur la ville et sa région. Parce qu'encore une fois,
Nous allons chercher un installateur local. Nous n'allons pas chercher un installateur à Paris lorsqu'on habite à Strasbourg. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de la ville de Strasbourg, puisque c'est encore une fois une vidéo locale qui explique ce qu'on peut trouver à Strasbourg et pourquoi c'est une ville qui va être intéressante à mesure qu'il y aura des bornes de recharge. Parce qu'en fait, il y a une pratique qui est fantastique lorsqu'on a un véhicule électrique et qui a été largement développée grâce au forum de Tesla Magazine, ce sont les road trips. Donc, il y a des personnes qui ont eu un véhicule électrique assez tôt et qui ont souhaité se balader dans les villes de France pour redécouvrir des régions grâce justement à ces opportunités de charge. Donc, je vais vous partager très humblement tout ce que vous pourrez voir et faire à Strasbourg en termes de culture, voilà, uniquement, sans omettre la gastronomie et le shopping, parce que c'est des choses qui sont bien entendu incontournables. Il y a bien sûr l'Opéra National du Rhin à découvrir, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et je vous invite en commentaire, bien entendu, à noter ce que vous pourriez penser de cet établissement. Est-ce que ça mérite le détour? Est-ce qu'il y a une borne de recharge à côté? Voilà, toutes ces choses qui peuvent aider les personnes qui regardent cette vidéo à découvrir Strasbourg. Voilà, il y a bien sûr les percussions de Strasbourg. On voit que Strasbourg, au final, vit au rythme des festivals et il y a beaucoup d'événements culturels liés à la musique, au jazz. Et pour les amateurs, c'est quelque chose d'important. Voilà, je vais clôturer cette vidéo en vous disant que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de découvrir Strasbourg et ce qui est fait en matière d'électrification et ce que font les gens concrètement. Parce qu'on peut bavarder sur les objectifs d'électrification, de mise en place de bornes, mais aujourd'hui, c'est vous en fait qui êtes les maillons de cette chaîne, et c'est vous en tant qu'utilisateur et automobiliste qui faites le choix de passer à l'électrique. Lorsque vous passez à l'électrique, vous installez une borne, et lorsque vous installez une borne, vous donnez envie à d'autres personnes de passer à l'électrique. Donc, il faut vous convaincre, et n'hésitez pas également en commentaire à citer tous les points notables qui vous empêchent de passer à l'électrique à Strasbourg, et le but du jeu, ensuite, ce sera de les remonter, de les citer pour que ce soit beaucoup plus simple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne parce que vous aurez à chaque fois une vision assez éclairée, synthétique, j'imagine, et précise sur l'électrification. Bonne journée, au revoir.